Alors donc le 56 fait d'argent présenté par Alain Labuzan. Fait d'argent est une fille de vertigineux qui faisait l'amour de l'époque où Arras des Gouards. Le Arras des Gouards qui nous présente pour le compte d'un amusant ce numéro 56. Vertigineux depuis, il a été vendu à Arras tiercé, à tiercé, en enchant. Vertigineux, on connaît absolument par cœur dans le sud-ouest, fils lui-même de nombreux premiers, fameux sur la course, vertigineux, ayant entre autres le prix du muguet. Quant à la mère, c'était Pécos, une vraie Pécos, une femme à la Pécos. Lauréate de la Coupe des Anglos à 37,5 à Pompadour. Et déjà mère d'un gagnant, d'une gagnante plutôt, Mille d'argent, autre fille de Vertigineux. Donc nous avons ici la propre sœur de Mille d'argent, et elle s'appelle Fée d'argent. Voilà, une souche du Pécos, qui marche bien. Fée d'argent, elle est née le 18 avril. Il arrive dans des endroits où il n'y a pas forcément la place de faire le tour, par exemple le Chester Day, divisé en deux, et il n'y a évidemment pas la place de. Il n'y a pas autant de place ici, c'est sur la piste de la ligne droite d'arrivée de l'hippodrome de la Teste où on a plus ses aides et donc les juges peuvent demander aux candidats de marcher de trotter comme ça sur un grand tour qui permet de l'avoir sur plusieurs axes. Et d'ailleurs, les juges décident de désaxer eux-mêmes pour aller regarder de plus près. Christophe Ferland, Anthony Baudouin et Isabelle Véronique pour aller regarder de plus près et qu'il y a une autre aussi qui est là. 7,56 fait d'argent.